Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, le 5, vendredi 5 juin, nous allons vous présenter la situation épidémiologique de la COVID-19 en Algérie. Les principaux indicateurs au cours des 24 dernières heures sont les suivants. Nous avons enregistré 104 nouveaux cas, 156 patients guéris, 32 patients hospitalisés en soins intensifs et 9 décès. Avec les 104 cas, nouveaux cas confirmés, le total des cas est de 9935. Soit une incidence de 22,6 cas pour 100 000 habitants. 29 foulées ont une incidence inférieure à la moyenne nationale et 19 foulées ont une incidence supérieure à la moyenne nationale. Et il est à noter que 17 foulées n'ont pas enregistré de cas au cours des 24 dernières heures. Concernant le décès, nous avons malheureusement enregistré 9 décès, 2 à Msila, 1 à Béchar, 1 à Béjaïa, 1 à Blida, Bouira, Constantine, Sétif et Soukaras. Ce qui fait que le total cumulé des décès atteint les 690, avec 75% des décédés qui sont âgés de 60 ans et plus. Les patients guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers, leur chiffre, le nombre est de 6453, dont 156 au cours des 24 dernières heures. Les patients ayant bénéficié du traitement à ce jour, leur nombre est de 18 950. Dont 8459 cas confirmés au laboratoire et 10491 cas probables à l'imagerie médicale. En ce qui concerne les soins en réanimation, nous avons actuellement 22 patients en soins intensifs. Pour les messages importants, dans cette période cruciale de l'épidémie, elle appelle tous les citoyens à être vigilants et à respecter, à renforcer tous les efforts que fait l'État dans ce domaine. Et il est important de rester vigilant et en respectant bien sûr toutes les règles de prévention, notamment, notamment le masque de protection qui doit être mis en toutes circonstances. Merci de votre attention. Merci.